Bref, je jouais tranquillement à GD en pensant à ce qui s'était déroulé la veille. Haha, quel bolos. Mes talents de créateur ne séduisant personne, je me suis donc lancé dans le Demon Grind. J'ai alors contacté quelques personnes pour me conseiller des démons. Fais Black Blizzard. Impossible. Fais Love Baba. Trop cancer. Fais Peaceful. Je ne pouvais plus compter sur mes amis pour me suggérer des démons. J'ai alors décidé d'en chercher un par moi-même. Il y en avait beaucoup trop. Vraiment beaucoup. J'en ai vu un qui avait l'air pas trop mal, mais je suis mort à un endroit random, ça m'a saoulé. J'ai par la suite pris une copie du niveau et essayé de faire des runs dessus. J'ai essayé la dernière wave, mais j'ai galéré à mort. Un type m'a envoyé un message privé sur Discord. Salut, j'ai fini Kenos, regarde. J'ai plus d'oreilles. En retournant sur niveau, j'avais toujours en tête la réaction du mec sur Kenos. On m'avait même parlé d'un gars qui a fait une crise cardiaque. Après quelques minutes, j'ai réussi à faire 13%, 14%. 15%. Ça m'a saoulé. J'ai donc demandé à un pote une technique pour finir un démon plus facilement et il m'a envoyé un fichier qui pourrait m'aider selon lui. Tiens, et c'est ça. J'ai testé et grâce au noclip, j'ai pu très facilement finir un niveau car il était impossible de mourir. Mais mon père m'a toujours dit: c'est pas bien de tricher, tu peux aller en prison. Je mets pas prison, j'ai arrêté le noclip. J'ai compris que le seul moyen de finir un démon est de s'y arracher les cheveux. J'ai donc continué le niveau. Je suis mort plein de fois, parfois comme un imbécile, mais je n'ai jamais baissé les bras. C'est après plusieurs heures de tryhard intense que je finis par le réussir. Fier de moi, je décide sans plus tarder de le poster dans le salon succès. GG. Fais Black Blizzard. Bref, j'ai fini un démon.